pour moi, c'était un devoir de mémoire. Qu'on sache que ce monsieur était un grand homme. On part toujours de quelque part. Je voulais exprimer cette marque de reconnaissance à quelqu'un qui vous a tout donné. Parce qu'il n'a peut-être pas donné l'argent en espèces, mais il a donné l'argent à sa manière. Il a donné l'art que je pratique aujourd'hui. C'est en le voyant pratiquer que je me suis décidé de m'engager. Et c'est un monsieur qui doit continuer à vivre. C'est un repère intergénérationnel. Nous, ses élèves, nous qui avons eu la chance de le côtoyer pendant plusieurs années, on n'a pas trouvé encore la formule pour valoriser sa mémoire. Il faut vraiment se préparer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir qu'on va s'attaquer à un monument de la culture camerounaise et africaine. La distraction du chômeur est d'ouvrir l'œil et d'étendre l'oreille. Durant toutes ces 10 dernières années, je n'ai jamais cessé de penser à lui. C'est parce qu'il s'est passé un seul jour sans que j'aie une pensée pour Cindy Mindia. Et je pense qu'il manque énormément à la scène. Il a une place à part. C'est un pionnier et c'est quelqu'un qui a durablement marqué la scène humoristique. Il a laissé une marque indélébile. Ce n'est pas quelqu'un qui peut être remplacé du jour au lendemain. J'ai vu quelques jeunes, après lui, essayer de faire, de se mettre dans sa voie. Mais j'espère qu'ils réussiront à nous faire rire comme Cindy Mindia. Ça ne semble pas évident, n'est-ce pas? Et Cindy Mindia est éternel dans nos cœurs. Que la jeunesse essaye d'avoir la passion d'un Cindy Mindia. Que l'on ne pratique pas le théâtre comme moyen de subsistance. Qu'on le fasse, qu'on le pratique et qu'on y donne sa vie. Un Cindy Mindia est mort, on ne va plus jamais le retrouver, mais des centaines de Cindy Mindia existent encore au Cameroun. En cela, la semence qu'il a faite va porter. Nous voulons simplement que ceux qui veulent s'identifier à son art essayent de copier également son professionnalisme. S'en aller peu à peu au fin fond d'une nuit, sans idole, sans dieu, s'enfuir sans calvaire d'un paradis au royaume du mal. Ces douleurs qui nous prennent à la gorge, à l'envie, jusqu'à ce qu'on s'aime. Ces jalousies sordides où chacun s'allie pour des rêves en subside. Ces règlements de compte entre frères, entre amis, pour des gloires qui s'estompent. Cet amour qu'on détruit, ces rêves interdits. On dirait la vie. Comme on dirait la vie. Comme on dirait la vie. Ces chemins de la fortune sur lesquels on trahit pour une demi-lune. Ces artistes qu'on oublie tout au bout du mépris et dont on fait payer le prix. Franchement, je crois que je voudrais dire merci à mon frère et Cindy Mindia pour tout ce qu'on a eu à faire ensemble. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas complètement sûr que le Cameroun se soit rendu compte qu'en fait, des gens comme Cindy Mindia, il faut une génération, peut-être même plus, pour en faire d'autres. Les générations futures doivent connaître Cindy Mindia, connaître ces textes que l'Afrique entière nous envie. Il ne faut pas que le public l'oublie. J'aimerais véritablement qu'aujourd'hui, au bout de 50, je ne sais pas combien d'années d'indépendance, qu'il existe un lieu de théâtre revalorisant au Cameroun. Et Cindy pensait qu'il pouvait faire ça. C'est-à-dire que dans sa tête, il pensait qu'il pouvait le faire. Mais ça semblait ne pas être de quelconque valeur aux yeux de ceux-là même qui auraient pu soutenir cela. Je n'ai aucune prétention. Je ne m'érige pas non plus en donneur de leçons. Mais s'il y avait un théâtre vivant quotidien, ou alors si ce n'est pas quotidien, hebdomadaire, ou alors si ce n'est pas hebdomadaire, bimensuel, ou alors si ce n'est pas bimensuel, mensuel, ou alors si ce n'est pas mensuel, ça veut dire semestriel, trimestriel, où on dit voilà, tous les deux mois, je vais voir le théâtre camerounais à tel endroit, je dirais voilà un syndic qui est vivant, aujourd'hui.
Quand je serai au paradis terrestre, si j'apprends qu'au carrefour omnisport prête à porter comme gassé foutoir, oh quelle joie! Si j'apprends qu'au carrefour essence boulangerie comme gassé foutoir, oh quelle allégorie!